Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai repris mon vaisseau habituel en attendant de me faire un petit peu plus d'argent quand même pour me faire des pour m'acheter des armes et tout ce qu'il faut pour le nouveau vaisseau. Je testerai tout ça quand j'aurai le pognon. J'ai décidé également, là je suis sur la station minière, donc de la guilde la guilde des mineurs tout simplement. Et je me suis dit, vu que ça faisait longtemps justement que je n'avais pas pratiqué le minage, j'allais m'y mettre un petit peu. Je vais pas aller sur les planètes, je vais plutôt aller, je crois, sur les champs d'astéroïdes. Il me semble que c'est faisable. Pourquoi je peux pas sélectionner? Je vais pas sélectionner. Oui, il y a un problème. Alors, le problème, c'était quoi déjà? Ah, oh, mais c'est pas possible! Il y a toujours un truc qui m'emmerde. Pourquoi? Ça fonctionne. Mais ça ne doit pas fonctionner. Est-ce que je peux. Non, je sais pas du tout ce qui se passe. Ah, mais oui, mais faut peut-être que je sois dans le vaisseau. Aïe, 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 aïe. Allez, on va y aller comme ça directement. Je crois que je suis jamais encore passé dans un champ d'astéroïdes. Je ne sais pas si vous croyez. C'est juste incroyable. J'avais tenté, il me semble, sur une planète. Ah, je sais plus si c'était des grottes ou quoi, mais ça fait tellement longtemps maintenant. Du coup. Là en guilde, je viens juste d'être membre de la guilde. Donc il me semble, il faut fouiller un petit peu. Mais ça, je sais plus ce que c'est. C'est pas grave, on va les tester. Tu t'arrêtes? Bon, allez, ok, on va faire comme ça. Ici. Ah, mais faut. D'accord, donc ça fonctionne pas. Est-ce que je peux atterrir ici? Alors non, il va falloir que j'aille là-haut. Ok. Donc il va falloir creuser. Alors par contre, voilà. La lumière que j'utilise quasiment jamais, maintenant ça va être utile. Du charbon. Il va falloir creuser un peu plus bas. Alors ça va être un peu chiant au début. Il vaudrait mieux que je récupère quand même le vaisseau. Je crois que c'était à acheter ou je sais plus. J'aurais peut-être dû regarder avant. Calcul. Le calcul, c'est quoi? C'est de la pierre ou c'est quoi? Je ne sais plus du tout. Là, pour le moment, il me semble qu'il n'y a pas de minerai. Hein. Je ne sais pas si je récupère ça. Est-ce que. Non, ça ne montre rien du tout. Je pense que c'est à la revente. Je ne sais même plus. Ça, c'est pas de la. On va juste voir déjà où elle se trouve la sortie. Je vais voir aussi à distance. C'est si grand que ça? Ah non, voilà. J'aimerais juste ressortir en fait. J'aimerais voir un petit peu. Déjà, juste pour voir ma cargaison ici. Comment se fait-il? J'ai pas d'équipement, j'ai rien. Le charbon, je récupère pas normalement. Voilà, juste là, normalement, juste là en dessus, mais on va que dalle, hein. C'est vrai que je fais pas trop la différence, c'est dingue. Allez, c'était juste en dessus. Tu me reprends ça.
faut juste que je regroupe, que je recomprenne comment est-ce que ça fonctionne, mais il me semblait que... Est-ce que ça n'allait pas dans l'inventaire avant? Si là je vois que du charbon, mais je crois que c'est que du charbon en fait, c'est pas intéressant. Ok, allez, je vais voir ailleurs. Est-ce que je peux voir quand même cargaison? Non, il n'y a rien. Personnage, il n'y a rien. Cargaison, non, il n'y a rien du tout. Ok. Je vais aller voir un autre astéroïde. Quelque chose avec une autre couleur, s'il vous plaît. Ben, ça va pas être simple, hein. Là, ça c'est une autre couleur, ça. Par contre, là, je vois que dalle. Aïe. J'aimerais juste quand même... est-ce qu'il y aurait une autre partie quelque part? Oui, voilà, ici par exemple. Nickel. Est-ce que je peux atterrir là? Voilà. Du nickel. Voilà, là je récupère, je vois. Juste pour être sûr. Hein. Voilà, du nickel et du charbon. Là, par contre, je récupère. Je récupère quand même le charbon. Ici, j'augmente un petit peu plus sa puissance. Qu'est-ce qui se passe? Je récupère toujours autant, apparemment. Ici, je mets que l'efficacité, je récupère que dalle. Il faut trouver un bon compromis entre les deux. 75. 75%, ça a l'air de bien marcher. Bon, juste quand même. Que je me fasse un sol. Je vais juste couper un peu là. Voilà. Donc 75, 28. Ah, j'ai pas l'air de récupérer quoi que ce soit maintenant. Ah, si, un petit peu quand même. Alors, pas grand chose. Bah, c'est pas avec ça que je vais me faire de l'argent maintenant, hein, ça c'est sûr. J'aurais peut-être dû voir quand même. Pour commencer, si j'aurais pu m'acheter un vaisseau directement à la station, parce que là quand même je devrais avoir l'argent. Mais c'est vrai que le minage c'est quand même très pénible, alors ouais, c'est pour ça que j'avais arrêté. Mais sur les astéroïdes c'est quand même plus sympa. Je me souviens même plus de comment c'était sur les planètes. On va juste descendre un petit peu quand même. Oui, là je récupère quand même beaucoup plus. Meilleur compromis, 69% en efficacité. Allez, je vais juste me faire cette partie-là. Si ça se trouve, juste pour voir quand même. Comment ça, 0 mètres cubes. En cargaison là. x30, ah ouais, bah ouais, je peux remplir là. Donc là j'en ai bien x30, on est d'accord. Ah ouais, mais c'est pas 1, c'est l'expérience qui change. Est-ce que l'expérience ici... Ah ouais, d'accord. Va falloir en miner, hein. Pour récupérer quelque chose. Alors, puisque je revends, les autres ils prennent trop d'un gros pourcentage, donc vraiment pour le moment ça sert à rien. Enfin bon, bref, j'aurais fait ça et puis je vais passer, je pense, à autre chose parce que là ça va être très pénible.
Mais je vais quand même tenter. Enfin, je vais tenter, oui, je vais me terminer cette partie-là. Cette partie de l'astéroïde. Alors, du nickel, en plus, c'est pas du tout ce qui vaut le plus cher, mais. Le reste, ça me paraît quand même plus rare. C'était déjà pas du charbon, c'est toujours ça de gagner. Est-ce qu'il faudrait faire un cercle? Ouais, ça me paraît plus efficace. En fait, c'est un peu aléatoire, hein, si je descends encore un peu. D'accord. Et après, je récupère plus rien, c'est marrant. Ça me fait quand même penser à No Man's Sky un peu, hein. Ok. J'ai même l'impression que je vais pas terminer là, je vais arrêter là. Parce que ça me gave déjà en fait. Je vais quand même juste repasser à la station, à la guilde des mineurs. Je vais voir quand même combien me coûte. Là-bas. Combien me coûtent les vaisseaux s'ils en vendent un? Bon, alors je sais plus s'il fallait passer au niveau 2. Il faut au premier niveau des mineurs pour que je puisse acheter, je sais pas. Allez, cet alu, je tente vite de regarder. 15% ils prennent accès au vaisseau minier, donc oui. Donne un rayon utilitaire de tir 1. Il faudrait quand même que je teste tout ça. Est-ce que je peux rentrer? Oui. Comme ça, c'est quand même plus simple. Au cas où, est-ce qu'ils me l'ont donné en fait directement? Non, ils ne m'ont pas donné. Pousse-toi. Ici. Ouais, d'accord. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Je peux les prendre ici. Donc, celui-là, il coûte 1 225 000. Apparemment, il est déjà équipé. Est-ce qu'il est équipé? Bah, je vais le tenter quand même, c'est pas grave. Celui-là, je pourrais le revendre, hein, franchement. Mais bon, je vais le garder par principe. Et puis, du coup, le minerai. 53 à 35 881 au lieu de 63 600. Bah franchement, voilà, j'ai juste acheté le vaisseau, mais c'est vraiment juste pour tester. Heureusement que j'ai pas encore équipé mes gousses, etc. sur mon vaisseau. Ça va être celui-là de toute façon. Allez, c'est parti. C'est là, je crois. Juste pour me renseigner, voilà, il n'y a pas l'emplacement d'armes. Et donc, je pars de là. Et là, normalement, je crois que c'est un truc minier. Mais je ne crois pas y avoir accès. À moins que je le récupère. Ou alors, c'est quoi? C'est juste du stockage? Je sais plus. Je regarde.
Homeland is in the living quarter. For information about the mutants regulations, go to the board of directors office at number 101. Legal action apparemment. Thank you for your understanding. Apparemment, ce n'est pas là. Si, voilà, c'est là, ok. Laser minier, donc. Portée 846, efficacité 1348. Ça, peut-être que je la mette aussi. Est-ce que j'en peux cette déjà? Est-ce que c'est ça? Je crois. Hein. Je suppose que c'est ça. Donc 846, 22, 1348, c'est exactement la même chose. Hein. Sauf qu'il y en a un qui coûte moins cher. Ok, là c'est exactement la même chose. Là aussi. Là aussi. Tout est pareil en gros. Alors il y en a un qui pèse. Attends. C'est exactement les mêmes, sauf qu'il y en a qui sont plus gros que d'autres. Si j'ai bien compris. Et celui qui est plus gros, c'est quoi? 1,3, 1,7, même pas. Bah je, écoute, je vais prendre le moins cher. Hein. Pas m'emmerder. Et puis les deux là pareil, je vais prendre celui-là le moins cher. Ok. Maintenant. Le vaisseau, je l'avais vu. Mais je ne l'ai jamais utilisé. Maintenant. Non, c'est pas ça du tout. C'est que gagnerie. Ah, quand même. Il fallait être à l'intérieur. Et j'ai pas les armes. Qu'est-ce que c'est que ce connerie? Un groupe 2 peut-être, non? Ah mais je rêve, hein! Tantor, fusil, drone, sonde. Là j'ai rien du tout. Et j'ai acheté ou pas? Ah si, là. Bah alors quoi? C'est quoi le problème? Ah! Le système du drone. En fait, c'est un drone minier, je comprends pas. Miss 14 plus. Non, mais je rêve, hein. C'est donc les armes, ça c'est vraiment des armes en gros quoi, d'accord, ça c'est missile tourelle. En gros ça n'avait strictement rien à voir, mais Misactor c'est le nom du vaisseau. Ça c'est un drone ça. Système du drone minier. Je n'ai pas de drone minier. Ici il n'y a pas de drone minier. J'ai juste tenté quand même quelque chose. Mais... Ah mais je peux rien faire avec ce vaisseau. Et je suis complètement paumé là, c'est incroyable. Comment est-ce que ça fonctionne? Cargaison, contrat, guide, machin, blablabla, ok. Juste pour être sûr là, est-ce qu'ils s'entraînent ceux-là? On va peut-être commencer particulièrement ceux-là. À niveau 20, ça va, ils s'entraînent. Là, je vois pas. Donc ça, c'est vraiment pour les armes. Drone de combat, génère des drones de combat. Extracteur, embarque et contrôle un drone minier. Et amplificateur de drone, augmente ses capacités offensives et défensives de tous les drones de combat de 70%. D'accord. Tout ça, c'est très bien. Est-ce que j'aurais loupé quelque chose? Non, non, non. Je vais juste réatterrir, du coup. Parce que là, il y a vraiment un truc que je ne comprends pas.
J'ai dû louper un drone minier. Ah mais oui! Mais oui! Bien sûr qu'il y a des drones miniers. D'accord, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, c'était là. Non, c'était pas là. Our guild needs more members than ever before. Remember, we have no one but Oh, us. puis ils en ont pas. Et j'en avais looté. En fait, ça se loot seulement ou ça ne peut pas s'acheter? C'était un truc dans le genre en fait, mais c'était pas des attrape-gousses. C'était des drones miniers. Oh mon dieu, non, me faites pas ce coup-là, les gars. Vous êtes pas sympa. Pourtant, qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose, mais je ne me remonte. Comment ça, je suis vide? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi j'ai perdu mon matériel là? J'avais tout vendu? Mais c'est pas possible ça. Ah, mais non, mais la cargaison. Ah, ouais. Bon. Je vais juste laisser tomber le minage pour le moment. Je reprendrai une autre fois quand j'aurai bien compris quand même. Parce que là. Voilà. Je crois que c'était celui-là. Maintenant, quand je regarde mon cargaison, j'ai tout ce qu'il faut. Ok. Et puis là, j'aurai pas de drone minier. Ok. Bon, je vais laisser tomber et je vais partir sur une autre mission. Je me renseignerai peut-être pour la prochaine fois. Du coup, bah, je vais me faire. Il me reste quoi? 20 minutes. J'ai perdu tellement de temps pour rien. Allez, on va faire ça. Bah tiens, on va faire celui-là. Ça ira très bien. Ça me fait juste de l'expérience, ça me fait pas de pognon malheureusement, mais bon. Je me ferai une autre mission par la suite. Du coup, c'était quoi le truc? Contrat. C'était à 570. On va y aller immédiatement. Si c'est pas incroyable ça quand même, ce que je peux faire n'importe quoi moi. Je fais n'importe quoi. Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster input. Ah, c'est bien dommage, j'aurais bien voulu quand même tester un petit peu plus. Un petit peu plus en profondeur avec le minage. C'est dommage. Au pire, peut-être que je vais récupérer des drones miniers d'ailleurs. Mais il me semblait que ça s'achetait. J'ai peut-être eu tout simplement pas de chance avec cette station. You reached the waypoint of your route. Please wait for your ship to be scanned. Exit permission from the system has been obtained. The next waypoint is being passed. N3, 2, 1. Destination reached. Ok. Alors, la mission est là. Au moins celle-là, elles sont pas trop loin. Enfin quoi que ça dépend des moments. Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster input. Allez, garde du corps, arme, c'est parti. Target shields down. Target destroyed. Ça va être rapide. Target shields down. Target destroyed. Target shields down. Ils ont un niveau supérieur de mon équipement. Pas de mon niveau à moi, mais de mon équipement. Target shields down. Get destroyed. Bon, en fait, c'est tellement rapide que je me demande si je devrais pas continuer encore un peu. Vas-y, on va prendre celui-là. Je sais même pas ce que c'est exactement, c'est pas grave. Il faut que j'aille. Faut que je prenne l'habitude aussi de prendre ça directement.
En 576. C'est juste que je me fais pas d'argent avec ça, c'est juste le problème. Ah, c'est pas grave, pour le moment je tiens avec mon vaisseau honnêtement. J'ai comme l'impression que j'ai réussi à dupliquer mon escouade. À fond, c'est parti. Et je vais tenter. Par contre, je suis désolé, mais c'est vrai que là, les vidéos de ce jeu-là, donc Spaceborne 2, vont sortir un jour sur deux. Durant, bah, à partir de cette semaine, plus la semaine prochaine. Vu que je serai en vacances, je prépare ces vidéos à l'avance. Je suis vraiment désolé. D'ailleurs, je ne vais pas pouvoir mettre. Mettre une petite vidéo sur la mise à jour de ce vendredi. Et bah tiens, je disais que c'était proche, mais là c'est bien loin quand même. Puisque je ne suis pas présent, donc voilà, mais au moins je pose quand même des vidéos chaque jour. Pas forcément ce jeu-là. Histoire de pas laisser la chaîne vide. C'est quand même du boulot tout ça, hein. Il faut que j'enregistre plusieurs heures par jour, c'est quand même du travail. Et tu m'étonnes qu'à la fin de la soirée, je suis fatigué. En plus du boulot à la journée. La copine que je dois voir. Aïe 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 aïe. Allez, là c'était vraiment loin quand même. Ouais, bon, pourquoi pas en fait. Hein. Je devrais en profiter, tiens, on y suit. Est-ce qu'il n'y aurait pas. J'ai toujours pas trouvé de station cachée. Ah bah voilà. Il suffisait juste que j'en parlais. Et du coup, qu'est-ce que c'est ça? On ne sait pas. Extra Tabem Lux. Ça sera pas mal après la mission là que j'aille y faire un tour pour voir ce que ça. Apparemment c'était réglé là en 8 je crois. J'aimerais bien voir ça. Parce qu'il est vrai que j'utilise vraiment que très rarement les sondes. J'aimerais bien voir par contre ces explorateurs, je crois que c'est en plaçant des sondes et trouver quelque chose. Par contre, c'est personne là. Ah, ça arrive, ça arrive. Ouh là là, c'est des drones kamikazes ou quoi? Là, par contre, les drones ils sont chiants. Par contre, ils sont nombreux là. Là, ils sont nombreux. Ah merde, on va déjà le détruire celui-là. Bon, c'est vrai qu'il y a les drones qui vont avec. J'ai déjà plus de bouclier. Voilà les drones. Assez fragile, heureusement. Ah mais oui, mais je suis bête. Ah ouais, pas plus. En plus, j'ai pas. Merde. J'ai pas mis mes boosts de bouclier plus la réparation de coque. Mais j'ai complètement oublié, j'avais laissé mes moteurs à fond et du coup je vais pas. Mon
mon arme et mon bouclier. C'est pour ça que je me suis fait mettre un petit peu à l'envers. Ah bon, moi c'est réglé. Ok, j'avais vu qu'il y avait celui-là là-bas. Voilà, c'est trop tard. Ça c'est chiant aussi quand ça part comme ça. Allez, qu'est-ce que je récupère? Tout hasard, attrape-gousse. Non, j'ai pas de drone minier pour le moment. On va les garder hein, quand même. Allez, récupère-moi tout ça. J'attends juste quand même le message. Ah, mais non, mais je le vois là, c'est bon. Il est encore là-bas. Ensuite, je vais faire un tour là-bas du coup. Et voir si c'est vraiment réglé. Si on peut atterrir sur ces stations-là. Du coup, j'ai jamais fait. Donc, puisqu'avant, ça ne fonctionnait pas. En tout cas, chez moi. C'est bon. Là-bas. Extra Tabem Lux. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, j'ai toujours des nouveaux messages, du nouveau courrier là. 33T2, ça c'est pas mal. 34T1. Voilà, ça, ce sera deux missions qui m'intéresseraient pour évoluer un petit peu mon niveau de pilotage. 22, 33. Je pense que c'est quand même le meilleur moyen, mais pas pour se faire de l'argent, mais pour monter un peu son niveau. Parce que c'est quand même très rapide ces missions. Il suffit d'y aller, bam bam bam, on les bute et c'est réglé. Pour monter rapidement, je pense que c'est la meilleure solution. La guerre aussi, c'est la bonne solution. C'est à force de bouger des vaisseaux, des guerres de... Quand on fait une guerre avec des ennemis du même niveau que nous, franchement, là ça monte vite. Particulièrement si on prend le secteur principal avec tous les vaisseaux qu'on doit détruire, honnêtement. Bah non, c'est toujours pas réglé, hein. La station est toujours pas là. Hein. C'était noté que maintenant c'était bon, mais bah non, ça ne l'est toujours pas. Parce que normalement c'est indiqué là. Normalement c'est juste là droit devant. Mais y'a rien. Un problème avec les distances. Ok, bon, bah voilà, ça c'est fait. Alors, ouais, non, c'est pas grave. Je ne vois rien. À moins qu'il fallait le charger précisément, peut-être. Avec les... Non, mais je crois même pas, parce que... Le drone que j'ai envoyé, enfin, le drone de le... On appelle ça le scan. Le scanner que j'ai envoyé... Que si je fais ça, mais en fait il y avait quelque chose par là-bas aussi, donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut faire. Il faut chercher plus précisément, mais j'ai jamais vraiment compris comment est-ce que ça fonctionnait. Ah non, automatiquement ça revient vers moi, donc du coup il n'y a rien à chercher. Aïe 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 aïe, ok, bah tant pis, donc ça ne fonctionne pas, on est bien d'accord. Bon, du coup, je me fais vite une mission. Ah merde, j'aurais pu aller à la guide 10 mineurs. On va faire quelque chose. Avec un peu de chance. Avec le peu de chance que j'ai, je veux dire plutôt. 34, T4, T1. Et je suis... 33. Allez, vas-y. 34T1, c'est parti. Je vais tenter
Et là, par contre, j'ai récupéré quand même des choses assez intéressantes. Mais You je me don't have suis a root dit. system to jump. Please select a system via Space Atlas. Je me suis dit que. Ah bah. Non, c'était noté là. 570. Peut-être que dans la station. Non, mais en fait, ce que je vais faire tout simplement, c'est aller à Berwick. Au moins là-bas. Non, c'était H. Please approach Au moins the là-bas, jump je system sais que in j'aurai ce que process. je cherche. C'est-à-dire juste une station pour que je Please puisse me proceed through the poser, gate in the path reserved for revendre you. déjà ce que j'ai et puis ajouter la Destination reached. réparation de coque et le boost de bouclier. Et le plus proche, évidemment, c'est Poudlard. Ben, je l'appelle Poudlard. C'est Plundar, mais c'est pareil. Quasiment. Et puis j'aimerais bien faire 40 minutes, donc là c'est un peu chaud, on va faire 45 minutes, je pense. Aujourd'hui. Il faut que je tente quand même de baisser le temps de mes vidéos. Parce qu'une heure c'est trop long, mais c'est, je trouve, le temps qu'il me faut quand même. Pour me faire une partie, sinon il faudrait que je fasse des petites modifications, mais bon. Allez. Landing gear deployed. Pas besoin de prendre l'ascenseur. Je prends jamais d'ailleurs cet ascenseur. Hein. Enfin, le mont de charge qui est juste à la gauche. Puisque je peux tout revendre ici de toute façon. Alors, ça on s'en fout. Tout le reste on revend également. Parfait. Et puis il va vraiment falloir pas que j'oublie cette fois ici. Mettre ça parce que du T3 j'en ai que deux et du T4 j'en ai qu'un seul. Parfait, allez! On décolle et en 570. Et normalement, non, il n'est pas lui. 570. Allez, go! Calibration module activated. Bah, je pense pas que la prochaine vidéo je vais commencer le minage. Je le ferai dans 2-3 vidéos si je regarde quelque chose quand même. Si je regarde une petite vidéo qui m'explique comment procéder. Je comprenne un petit peu mieux. En fait, je pourrais tout simplement regarder aussi. Combat, dérive, gestion, alimentation, composants, vaisseau, missile, capitaine ship, mécanique de personnage, en voyage, fonctionnement général. Progression, scanner, loot, gestionnaire des vaisseaux, galaxy trade, faction. Y'a rien. C'est dingue ça. After docking a station, you can use the services panel to manage. You can divide the weapons loaded on bon, the ship. Ok, je ne trouve pas. Autant regarder les vidéos. Hein. Ici, voilà, cette fois-ci c'est pas bien loin, tant mieux. Allez, 13 AU, on y est. Calibration module activated. Calibration completed. Ici, ouais, il y avait la guilde des pigistes. J'aurais pu faire la même chose là-bas.
C'est du 34 cette fois. En plus ils sont éloignés donc ça me va quand même. Ils sont pas tous sur moi. Pourquoi ils s'éloignent ce con? Ah il m'emmerde. L'autre il est où? Encore plus loin. Target shields down. Target destroyed. You idiots! If you want something done right, rapidement possible. Target destroyed. L'autre arrive, parfait. Je n'ai pas de coffre cette fois. Ah ouf, je pensais que ça aurait été un gros vaisseau, mais ce n'est pas le cas. 35, un level plus élevé, enfin un vaisseau amélioré. Et c'est réglé. Pas de caisse, pas de gousse, rien du tout. Ok, super, c'est génial. Et ça me fait 42 minutes du coup. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Honnêtement, je suis désolé pour ce foirage, en tout cas avec le ménage. Mais là, je pense que... La prochaine fois, je me ferai, je pense... J'ai déjà en sélectionné une d'ailleurs. Comme ça, je me ferai aussi un petit peu de pognon quand même. Ça sera plus utile. 34, 36, 32... 32-3 étoiles, je pourrais le tenter celui-là. Histoire de faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. En tout cas, ce sera pour la prochaine fois. Il faut que j'aille en 576. Donc, bah, on va directement y aller, comme ça, ce sera bon. Parfait. Ok. Donc voilà, je m'excuse franchement pour le ménage. Je regarderai d'ici 2-3 vidéos. D'ici un petit moment, puisque je pose une vidéo tous les deux jours, et puis je vous reprendrai pour le ménage après ça. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!